Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Vous allez vous demander pourquoi vous voyez Google en fond. Tout simplement parce qu'en fait, je filme avec mon téléphone pour vous filmer, parce que d'habitude, je filme avec la webcam de mon ordinateur. Et parce que voilà, ça va être l'intro de la nouvelle vidéo du jour. Donc, la vidéo qui portera sur My Personal Closet. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un gros coup de cœur pour moi et vous partager ça avec vous. Donc My Personal Closet, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une malle, moi j'appelle ça une malle, hein, où en fait vous allez retrouver des accessoires, des vêtements. Donc accessoires, ça peut être ceinture, bijoux, sac. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Vêtements, donc vêtements de créateur. Voilà, enfin plutôt dans le haut de gamme. Donc, My Personal Closet, c'est d'abord un site internet. Donc, quand vous avez votre page Google, vous tapez. Donc, hop, je vous montre en même temps. My Personal Closet. Voilà. Vous cliquez sur le lien, donc ici. J'espère que vous voyez bien. Et vous allez avoir cette page-là qui s'ouvre. Voilà. Donc, voilà comment le site se présente. Donc, vous avez un petit onglet comment ça marche qui vous explique un peu la marche à suivre du comment marche My Personal Closet. Et vous allez avoir une jolie jeune fille comme ça. Donc, on vous demande si ce look vous plaît. Donc, vous allez à droite, oui. Et à gauche, non. Voilà. Donc, vous voyez mon bazar ambulant derrière. Bref. Donc après, vous allez pouvoir aimer ce look. Donc si vous l'aimez bien, vous cliquez sur oui. Voilà. Ensuite, donc vous allez rentrer vos informations. Donc quand je dis information, c'est votre taille, votre pointure, votre forme de corps, entre guillemets. Donc ça peut être pyramide, triangle, rectangle, enfin voilà. Vous verrez, il y a quatre choses. Ensuite, vous allez pouvoir faire... Donc, mettre votre taille de top, votre taille de robe, votre taille de pantalon, votre tour de poitrine, votre bonnet et le budget que vous voulez, le budget que vous pouvez pour les vêtements. Voilà. Budget, donc ça peut être 80 à 120 euros comme c'est montré ici. Donc là, je vous montre bien quand même. Voilà, un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est l'exemple. Après, je vais vous montrer moi comment j'ai fait. Donc voilà. Donc, vous pouvez à tout moment commander. Demandez de recevoir gratuitement votre personal shopping, qui sera composé de 12 articles, de marques et de jeunes créateurs qui vous correspondent. C'est-à-dire que quand vous allez aimer les différents looks, en fait, eux, à partir de ça, ils vont sélectionner le style qui vous correspond et les marques et les jeunes créateurs qui correspondent à votre look, quoi, à vos goûts, à vos looks, à votre personnalité. Ensuite, vous avez 7 jours pour essayer chez vous les articles. Donc, ils sont présents dans la malle que vous allez recevoir à partir de la date où vous l'avez reçu. Une fois que vous avez fini l'essayage, vous gardez les vêtements qui vous plaisent et vous retournez tous les autres dans la malle via la poste avec le coupon de retour qui est avec. Vous n'avez rien à payer sauf les vêtements que vous gardez. Donc, les articles sont au prix boutique et on ne paye aucun frais de transport. Voilà, c'est bien précisé. Hop, voilà. Donc, ensuite, vous avez un styliste personnalisé. Donc moi pour ma part c'était Guillaume. D'ailleurs s'il passe par là, qu'il regarde la vidéo, je lui fais de gros bisous et je lui dis encore merci. Voilà, qui est très très gentil, très à l'écoute et voilà, nickel. Donc j'espère que vous aurez Guillaume. Voilà, bon, quoique je pense que tous les autres sont aussi bien que lui. Donc vous avez un styliste personnalisé qui va vous appeler, qui va vous demander donc vos goûts, si tous les renseignements que vous avez rentrés dans votre... Dans votre palais d'informations sur le site sont corrects. Effectivement, si le budget il est vraiment serré ou si vous pouvez éventuellement l'agrandir un petit peu. Enfin, ça dépend. Enfin, il va vous poser plein, plein, plein de questions pour au mieux vous cerner, cerner vos goûts, etc. Pour vous envoyer une malle qui vous corresponde le mieux. Donc ensuite, donc, vous entrez votre email, vous faites inscription. Donc moi, c'est déjà fait, donc j'ai pas besoin. Je vais juste vous montrer en me connectant. Voilà. Hop, je vais me connecter et vous filmer donc le déballage de ma malle qui est ma deuxième. J'ai voulu d'abord le tester une fois sans vous filmer pour ensuite
Vous en parler plus amplement une fois que j'en aurai commandé une deuxième, avec l'accord bien sûr de Guillaume, pour savoir si je pouvais faire une vidéo là-dessus. De Guillaume et de son staff, enfin voilà. D'ailleurs, je les remercie beaucoup de leur confiance et ça me fait énormément plaisir qu'ils aient accepté que je vous fasse cette vidéo. Donc ensuite, quand vous vous êtes inscrite, donc vous avez rentré votre identifiant, vous arrivez sur une page qui est comme ça. Voilà. Donc on va vous dire bienvenue sur ton espace perso. Grâce à ton avis sur les looks proposés, nous pouvons cibler parfaitement tes goûts et tes attentes vestimentaires. Tu ne payes pas les frais de transport et les articles sont au prix boutique. Tu seras donc débité uniquement des articles que tu souhaites garder au retour de ton personal shopping. Et puis, enfin, bref. Donc, si vous avez des questions, vous avez l'email qui est ici. Voilà. Et ensuite, donc, on passe aux informations. Donc, ça, c'est les informations que j'ai rentrées dans le site. Donc, vous voyez, je suis assez ronde quand même. Donc voilà, j'ai mis mon budget, le minimum et le maximum, en gros, voilà, la fourchette un peu de prix. Donc, quand vous voulez faire les paramètres, donc changer ce qu'il veut là, voilà comment ça se présente quand vous rentrez votre paramètre. Donc vous avez quelle est votre taille et vous avez une barre. Alors vous déplacez le point en fonction de votre taille. Votre pointure, une fois que c'est rentré, vous cliquez sur suivant. Et voilà, ça c'est ce que je vous parlais, quelle est votre forme de corps. Donc vous avez, je crois que c'est pyramidal ça, ou losange, je ne sais plus, pyramidal et rectangulaire. Hein, donc moi j'ai le cyclé. Ensuite vous avez votre taille de top, votre taille de robe, votre taille de pantalon. Donc ça va jusqu'au 44 quand même, vous avez de la marge. Hop, votre tour de poitrine ainsi que votre bonnet, votre budget. Et ensuite, vous cliquez sur terminer. Donc, une fois que ça s'est rentré, vous pouvez cliquer sur le petit cœur, si ce n'est pas déjà fait, pour voter et dire les tenues que vous aimez le plus. Moi, j'ai voté pour toutes les tenues. Enfin, j'ai déjà fait mes votes pour les tenues, donc je ne peux plus revoter. Voilà. Donc, en gros, voilà comment se compose le site. J'espère avoir été assez claire. Si ce n'est pas le cas, je retournerai probablement la vidéo une fois que je l'aurai visionnée. Pour voir ce que je pourrais améliorer et ce que je pourrais vous ajouter. J'espère que le déballage de la petite boîte vous plaira. Voilà, c'est tout pour cette intro. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'il est pris en main, il est très simple d'accéder ce site. Ah oui, une autre petite précision, quand vous commandez votre personal shopping, il vous demande votre numéro de carte bleue et enfin, les numéros de votre carte, quoi. Donc, vous inquiétez pas, c'est sécurisé, il n'y a pas de. Et toutes ces infos restent confidentielles, bien entendu. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller vite fait me préparer pour vous filmer la suite de la vidéo. Donc, le déballage de la malle. À tout à l'heure! Donc salut à tous et à toutes, il s'agit de... c'est pas vraiment une box, c'est plutôt une malle, vêtements, accessoires, etc. Donc moi je l'ai reçue ce matin, donc j'ai tellement hâte de découvrir ce qu'il y a dedans que je pouvais pas trop attendre pour cette vidéo. Donc je vais vous présenter déjà la malle, comment elle est. Elle est un peu morflée avec le transport de la poste, donc c'est vrai que j'ai peur de la casser davantage. Elle est assez lourde. Elle se présente comme ça, donc vous voyez, c'est une grosse malle, un peu malle à chaussures, je dirais. Donc vous avez des poignées sur les côtés, voilà. Et devant, alors je vais essayer de vous montrer sans tout renverser, sur le couvercle, ce sera plus simple si je l'enlève. Donc, hop, et sur le couvercle, en fait, vous avez donc My Personal Closet, un petit autocollant. Voilà. Vous avez à peu près la dimension de la malle, parce que le couvercle est assez grand quand même. De faire mon buste en entier. Voilà. Hop, et donc à l'intérieur, je vais vous montrer, parce qu'elle est un peu cabossée. Hop, ça se présente. Ah. Hop. Voilà, je vous montrerai ça après. Comme ceci. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux en tout renversé, sachant que, comme vous pouvez le voir, elle est un peu... On fait pour un voyage. Hop. Moi, à l'intérieur, j'avais une petite enveloppe comme ceci avec mon prénom. Donc oui, Johanna. Donc la luminosité est encore pas top aujourd'hui, je m'en excuse. Mais ils ont encore annoncé de la pluie, il pleut et ils ont annoncé ça pour pratiquement toute la semaine. Youpi.
Donc, j'ai un petit mot donc, de Guillaume, mon styliste personnalisé. Donc, je vais vous le dire, je pense qu'il n'y a rien de secret. Johanna, le voici, le voilà, ton deuxième personnel shopping. Oui, donc c'est mon deuxième parce que je voulais d'abord tester une première fois toute seule et après voir avec eux si c'était possible de faire des vidéos dessus pour partager ça avec vous. Donc, ils m'ont dit oui, donc je les remercie infiniment. Guillaume, si tu passes par là, ainsi que ton staff, ben, je vous fais des bisous et je vous remercie de votre confiance et enfin merci pour tout quoi. Voilà. Donc il m'a dit, cette fois-ci je suis partie sur une proposition plus originale et plus estivale tout en restant tendance et très féminine. J'espère qu'une fois encore tu trouveras ton bonheur dans cette box. Comme d'habitude, on reste en contact. Si tu as besoin de mes conseils, je suis toujours là. Il m'a envoyé des photos des essayages. Oui, t'inquiète pas Guillaume, je t'enverrai des photos des essayages. Tu trouveras au dos quelques propositions de tenues et idées de look. Enjoy, enjoy, pardon, Guillaume. Et donc derrière, j'ai des propositions, donc j'en ai 7. Donc, je vais vous les lire. Hein. Donc, là, le premier, c'est Top Vanilla Escoubé, plus pantalon Rentinsen, plus Derbies El Mandjan. Je crois que ça se prononce comme ça, excusez-moi, si j'écorche les noms. 2, robe Marilyn blanche, plus sandales, plus sac Soho crème. 3, top nuage blanc, plus pantalon slim clair, plus sac sanguine. 4, blouse fluide noir, plus slim noir, plus slip on léopard jaunac. 5, top U escoubé, plus jupe bordeaux, plus escarpins. 6, top Marilyn, plus collier doré, plus sac Soho, plus derbies. Et 7, chemise en jean, plus slim noir, plus slip on léopard, je crois que c'est léopard, jaunac. Bref, il y a de quoi faire, je pense. Non. Bah oui, il y a quoi faire, effectivement. Donc voilà. Comment ça se présente? Vous n'arriverez pas forcément à bien lire, mais bon. Voilà, voilà tous mes looks. Ensuite, vous avez dans l'enveloppe. Enfin, moi, j'ai reçu après, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc, les petites choses à faire, le petit récapitulatif des choses à faire. Voilà, donc vous avez premièrement, il est important de vérifier l'état des articles livrés. Ensuite, qu'on a 7 jours pour essayer tous les articles. Le prix des articles est renseigné sur ta fiche, ton personal shopping. Nous avons besoin que tu complètes la fiche personal shopping, pardon. N'hésite pas à contacter ta styliste personnelle pendant ton essayage. Tu ne dois pas détacher l'étiquette My Personal Closet des articles retournés, car nous les considérons comme achetés. Ok. Nous t'accompagnons dans le retour de ton personal shopping à travers la fiche modalité de retour. Toute l'équipe, Raph et Sébastien, cofondateur, machin. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un peu, moi je dirais ça un peu les 7 commandements. C'est pas méchant. Non. Voilà. Donc, comme ceci. J'essaie de vous montrer en mieux, c'est pas facile à une main. Ensuite, donc, on a le personal shopping. Donc, où on doit répondre à différentes questions, donc notre profession, où on a connu My Personal Closet, quel jour de la semaine as-tu essayé les articles, quelle est ta fréquence de shopping, recommanderais-tu My Personal Closet à une amie, si on a des suggestions, des problèmes, la qualité d'essayage, le délai, je sais pas quoi, machin. Et ensuite, donc, on a un tableau avec le récapitulatif de tous les produits qu'il y a dedans. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y en a 12, avec donc les prix et donc des cases à remplir, acheter, retourner, taille, style, prix, donc les raisons du retour, pardon, taille, style, prix, la note et les remarques. Donc voilà comment ça se présente. J'espère que vous verrez bien. Donc vous allez voir les prix hein, des articles, je pense. Il y en a des plus hauts comme des plus bas, enfin, ça dépend. Après, comme je vous ai dit dans l'intro, vous pouvez sélectionner votre budget pour qu'il vous envoie à peu près des articles qui correspondent à votre budget. Il vous envoie des articles qui correspondent à votre budget. Et ensuite, donc, on a les modalités de retour où il vous explique comment faire pour faire le retour de la marque. Donc, je vais garder le petit récapitulatif des produits avec les prix à côté de moi. Hop. Comme ça, je pourrais vous dire quelle marque c'est, ce que c'est, etc. Si j'ai un doute. Hop. Voilà, je vais poser ça à côté de moi. Hop.
Et on va commencer tout de suite. Donc déjà, j'enlève le petit papier de soie. Et c'est vachement bien chargé. Et comme d'habitude, vachement bien présenté. Donc on va commencer par les petits articles qui sont sur le dessus. Donc je vais vous les montrer. Hop. Donc, en premier lieu, sur le dessus, on a une petite, enfin j'ai une petite boîte comme ceci, où il y a marqué lauréac mendiant. Voilà. Et c'est la petite ceinture de ce que je vois au récapitulatif des produits. Donc, je vais vous la montrer. Elle est vachement belle. Elle est très très belle. Hop. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est une ceinture toute fine. Mais aux couleurs de l'été, quoi, couleur or. Elle est magnifique. Enfin champagne, pardon. Pas or, c'est champagne. Voilà. Et donc elle vaut 29,90€. Et elle sent le cuir. C'est impressionnant. Ensuite j'ai deux petits sachets d'Apodemia. Ils se présentent comme ceci. Ils sont trop choupinous. Voilà. Alors c'est un joli petit collier. Alors, pour vous le montrer correctement. Qui donc c'est une chaîne en or. Et c'est une petite branche au bout. En bas. Je sais pas si vous verrez bien. Il est vraiment très fin, très joli. Voilà. Hop. Ça peut être très sympa avec une tenue. C'est discret, moi je lui avais dit que justement je voulais des bijoux assez discrets, pas non plus trop trop gros. Il me semble, pourtant je lui ai dit tellement de choses que je sais même plus ce que je lui ai raconté. Tellement j'ai vu l'envie, les choses. Les bêtises aussi, je voulais lui en dire. Des fois il a dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais il est très très gentil, et... enfin très à l'écoute, très gentil. Donc voilà, donc le petit collier coûte 59€. Et ensuite donc, bah lui il s'est barré complètement de la pochette. Donc j'ai une deuxième petite pochette Apodemia comme je vous disais. Et ça donc, il s'est barré. Hop. C'est un petit bracelet. Comme ceci. Avec pareil une petite fleur. Enfin feuille par fleur. Donc il est très fin. Voilà, il est super joli. Donc voilà pour ces deux petits. Et donc le petit bracelet Tea Leaf Gold de chez Apodemia coûte 79€. Et le collier Akinetos Twig Gold de chez Apodemia, pareil, 59€. Ah. Ensuite, notre petit produit. Sur le dessus, ça m'a l'air d'être un grand sac ça. Ah, effectivement, c'est un grand grand sac. Donc c'est un grand sac cabas comme ça, hop, avec des motifs un peu, je dirais pas steak, mais c'est des lignes rouges, voilà, avec des lanières, je pense que c'est du cuir. Ça se ferme avec un petit aimant, et à l'intérieur on a, donc il est relativement grand, hein. Je vais essayer de vous montrer, hop. Voilà, il est relativement grand quand même. On a une petite pochette ici qui se défait. Voilà. Qui se met avec des pressions. C'est super sympa. Il est vachement joli. J'aime beaucoup. Alors. Donc, on va pas enlever la petite étiquette. Et donc, le petit sac. Donc, en toile. Chloé Sanguine. Petite main. Donc, sac en toile Chloé Sanguine, petite mandigote, 70€. Il est très joli. J'aime beaucoup, Guillaume, t'as bien choisi. Hop, je vais le replier pour éviter de l'aligner. Voilà. Ensuite, j'avais un autre petit produit ici, donc qui est dans un petit sac en toile super joli. Donc, je vais. Essayer de faire mieux. Bon, après, pour le mettre comme il l'avait mis lui, pas facile, mais bon. Hop. Donc, il y a marqué petitement mandigote dessus.
Et donc, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un joli petit sac. Sac pochette. Bon, ils mettent sac. Donc, de chez Petite Mandigote. Donc, il est en cuir. Il est dans la couleur crème. Avec des petits détails dorés. Voilà. Il s'ouvre par une pression aimantée. Donc voilà, c'est un petit sac avec une lanière dedans pour l'agrandir, pour le porter en long, je pense. Il y a une petite pochette ici. Bon, je vais pas tout enlever, hein. Il est vachement joli. J'aime beaucoup l'odeur en plus du cuir. Il est très joli. Super joli. Bon, allez, allez, je fais la folle. Je vais vous le montrer en entier quand même. L'intérieur se présente comme ceci. J'essaie de pas lui mettre du rouge à lèvres dessus, enfin du beurre de cacao dessus. Voilà. Donc il est quand même assez grand pour un petit sac. Ça suffit amplement pour aller se faire une petite balade, un petit marché, des petites courses. Vous avez juste besoin de votre petit porte-monnaie, vos papiers, vos clés de voiture. Donc on a une petite pochette ici. Donc voilà. J'aime beaucoup les détails dorés dessus. Donc ça se ferme en fermeture éclair hein, dessus. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce petit sac. Hein. Il est mimi tout fin. Et donc ce petit sac coûte 103 euros. Hop là. En tout cas, il est super beau. Il est magnifique, franchement. Il est très très beau. Donc comme je vous disais dans l'intro, c'est vraiment de la qualité haut de gamme. C'est de la très très bonne qualité. Ce qu'il propose chez My Personal Closet. Donc forcément, cette qualité a un prix. Donc ensuite, on a... Donc c'est un top. Je vais vous le déplier. Donc c'est taille 2. Voilà comment il se présente. Donc il est avec des petits motifs. Je sais pas si vous verrez un peu... Déjà des herbes dessus. Je vais pas me prendre pour une toile. Si vous regardez cette vidéo, Guillaume va me dire qui est feuille, qui est herbe. Il n'y a pas d'herbe. Enfin bref, il a des petits motifs bleus et rouges dessus. Un petit col un peu effet chemise. Ouais, il est vachement sympa. Donc pareil, j'essayerai, je vous dirai. Je ne sais plus où mettre. Hop. Ensuite, on a... Ça, je pense que c'est un... C'est une jupe. Je croyais que c'était un pantalon, mais c'est une jupe. Oui, je me trompe pas. Ah oui, et le prix du petit top donc que je vous ai montré juste avant coûte de chez donc Tempe Anita sans manche de chez Vanina Escoubé coûte 90 euros. Donc hop. Waouh, elle est belle. Ah, j'aime beaucoup le tissu. Hop. Donc ça, c'est une petite jupe. Super belle. Couleur bordeaux. Donc vous, à la caméra, elle ressortira plutôt violet, mais elle est bordeaux. Elle est super belle. Il m'a mis quelle taille? Belle étiquette. Ah si. Taille 40. Ouais, je pense que là, je rentre largement. Elle est super belle. Ah, j'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Antonelle. C'est une jupe Baraka bordeaux. C'est de la marque Antonelle et elle coûte 79 euros. Voilà. Elle est super jolie. Je vous montre le derrière. Donc on a des poches. Hein. On a des poches ici, on a deux. Au niveau des fesses. Une, deux. En bas, on a une petite ouverture. Ici, on a deux petites poches sur le devant. Et une petite avec une fermeture. Elle est super sympa. J'aime beaucoup. T'as encore bien choisi, Léon. Oh, c'est trop beau. Mmh. Question. Ah non, mais là, c'est magnifique. Mmh. Donc, c'est de chez Maison Scotch, la femme selon Marie. Mais alors là, je suis tombée. Il est trop beau.
Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas. Donc, c'est un top comme ça blanc. Avec un petit collier sur le devant. J'espère que vous verrez. Hop, c'est pas facile. Donc, ici, on a un petit collier, un petit sautoir devant. Avec un genre de petit coquillage. C'est un petit coquillage d'ailleurs. Ça fait son effet. Super joli. Magnifique. J'aime beaucoup. Et donc le débardeur nuage blanc, donc celui-là, de chez Maison Scotch, coûte 87 euros. Après, je pense qu'il va peut-être être un peu court. Mais on verra bien, j'essaierai. Ensuite, on a. Voilà, donc celui-là, elle a l'air magnifique. Donc chez de chez Harpe Paris. C'est une robe. C'est un peu fait robe de mariée. Je pense qu'il a cru que j'allais me marier. Elle est belle. Ah bon. Donc c'est une grande robe comme ça avec des effets dentelles sur le dos. Enfin partout. Voilà. Elle a l'air resserrée à la taille et partir un peu en évasé en bas. Avec toujours cet effet voilage. Je vous jure, on dirait une robe de mariée. Elle est magnifique. Donc elle s'ouvre sur le devant, on a une grande fermeture éclair. Voilà. Donc non, il n'y a pas de taille. Bon, on verra bien. Je pense que ça devrait peut-être sûrement m'aller. Bon, on verra bien. Et donc, la robe Marilyn blanche de chez Harpe coûte 125 euros. Elle est vraiment magnifique. Il va falloir faire des choix, je vais pouvoir tout garder. Hop. Ensuite. Et ben on arrive à la fin des vêtements. J'ai un jean droit Conny de chez Ramsen. Si je ne me trompe pas. Bleu. Hein, un peu, vous voyez. Donc pareil, avec des poches. En bas. Donc c'est un effet droit, hein, donc il est droit. C'est rien de farfelu, c'est un jean. Pareil, j'ai serré, je vous dirai. Et donc le jean. Droit cogné de chez Ramsen coûte 160 euros. Donc c'est le plus cher de la malle. Ensuite, donc on a deux petits cafards et je pense que c'est les bottes, les chaussures. Les bottes. Donc on a une paire de chaussures de chez Jonac. Poulain en cuir, léopard, camel cuir. Bon, ça j'aime moins. Tout de suite. Alors léopard de suite, ça me faisait rêver, mais en fait, donc voilà. Hein. La boîte. Et comment dire, voilà comment se présentent, donc c'est les deux mêmes, hein. Je vais en montrer qu'une. Comment se présentent les chaussures, donc je suis pas contre, hein. Ah, c'est du vrai poil dessus, oh mon dieu, on dirait du vrai pelage. Enfin voilà, c'est en cuir, quoi. C'est de la bonne, très bonne qualité, mais c'est pas trop mon style. J'essaierai, mais pas fun pour l'instant. Et donc ces petites slip-on en cuir noir et léopard de chez Jonac coûtent 115 euros. Voilà. Ah, donc j'essaierai, pareil, je lui ai dit que j'essaierai tout style de chaussures. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, pour l'instant, c'est pas mon truc. On va voir si le deuxième est mieux. Même si les derbies, apparemment, il me semble que c'est pas trop mon truc. Donc j'ai un petit truc comme ça, un petit sac, je pense que c'est pour le mettre. Donc j'ai de chez L'Oréal Mendiant, il y a le couvercle. Hop. Donc c'est une boîte, hein, chaussure. Et donc, ouais, c'est pareil, c'est pas trop mon truc, mais j'essaie. Voici les chaussures. Voilà. Donc c'est du cuir, pareil, hein, c'est de la très très bonne qualité. Mais encore une fois, c'est pas trop mon truc, mais j'essaierai quand même. Parce que je suis curieuse et que j'essaie tout. Hop, et donc ces chaussures-là coûtent 114,90€. Donc je vais remettre ça dans la petite malle. Et donc oui, je vous ai pas montré. Vous avez à l'intérieur donc du paquet... De quoi faire le retour. Voilà.
des trucs à coller sur le carton une fois vous en enverrez votre petite malle. Donc voilà pour cette petite malle My Personal Closet. J'espère que ce petit déballage vous aura plu, que ça vous aura donné envie de essayer cette petite malle My Personal Closet qui vaut vraiment vraiment le coup. Certes, les prix pour certaines personnes vont paraître assez élevés, assez chers, mais c'est de la super bonne qualité, je vous l'assure. Et enfin, ça vaut vraiment vraiment le coup. J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Voilà, allez voir le site, tout sera en barre d'infos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans une vidéo aujourd'hui, c'est pour la fin de la vidéo sur closet, pardon. Donc moi je l'ai renvoyé, donc je n'ai plus le petit papier My Personal Shopper. Mais je vous ai tout montré de toute façon dans la présentation de la malle, donc je pense que vous vous en souvenez, avec les prix, etc. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette malle, c'était vraiment une tuerie. D'ailleurs, je remercie infiniment Benjamin, n'importe quoi, je remercie infiniment Guillaume et Sébastien pour leur gentillesse et leur confiance, et Guillaume pour cette malle juste magnifique, il n'y a rien à dire, enfin voilà. C'était juste splendide. La luminosité est pas top, je m'en excuse, mais bon, j'ai profité qu'il fasse un peu beau pour vous filmer cette vidéo. Il fait un peu tard, c'est pour ça que la lumière est un peu descendue, enfin, est un peu partie. Mais j'espère que ça ira quand même pour vous. Donc voilà, donc cette malle était une pure folie. J'ai eu beaucoup de coups de cœur dedans, malheureusement. Ben, la situation financière fait que je n'ai pas pu garder ce que je voulais garder. Mais en tous les cas, Guillaume sait ce que j'en ai pensé, il sait également les coups de cœur que j'ai eus. Et si jamais, ben, dans la prochaine malle, il les a toujours disponibles et qu'il peut me les remettre, on verra bien. Peut-être que cette fois-ci, je pourrais craquer. Donc voilà ce qui me reste en fait comme papier de la malle qui était dans ma petite enveloppe. J'ai eu aussi le petit mou. Voilà. Donc ma malle contenait, donc voilà le petit mou que j'avais eu. Donc de Guillaume, donc c'est votre personnel, votre conseiller en fait, si vous voulez, qui est moi, Guillaume, il est super, sincèrement. Donc si tu passes par là, coucou. Enfin voilà, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de looks à faire, enfin beaucoup de choses à faire, et c'était juste parfait, parfait. Franchement, merci beaucoup à Guillaume et Sébastien. Voilà. Donc, moi, mes coups de cœur, pour vous en parler, c'était la robe Marilyn blanche, le saxo crème, la jupe bordeaux que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avais un petit coup de cœur également pour le top nuagement. Malheureusement, il ne m'allait pas. Mais ça, Guillaume sait pourquoi. Au niveau des nénés, ça ne passait pas. Donc, la jupe, la robe, le saxo crème, le sac sanguine. Et après, j'aimais beaucoup aussi le petit collier, le petit bracelet qui allait avec. Voilà. Donc, pour ce petit débrief qui va être rapide, j'ai toujours donc la feuille de modalité de retour. Voilà, que vous pouvez garder. Bon, moi, je l'ai gardé. J'ai le nez qui me gratte, pardon. Voilà, je l'ai gardé au cas où. Et j'ai un truc dans mes cheveux. Voilà, je sais pas. Voilà, donc le retour devra se faire avant les 7 jours ou au plus tard le 7e jour suivant la date de livraison. Je suis super contente de cette malle. C'est la deuxième malle que je fais. Il y en aura probablement une troisième parce que pour l'été, je pense que il va me donner pas mal de looks sympas. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va me concocter. Voilà. Donc franchement, cette malle, rien à dire, c'était parfait. Au niveau des photos, voilà, je vous avais dit que peut-être je vous mettrais des photos. Je n'ai pas réussi à les insérer dans le montage. Enfin, dans le montage que je voulais vous faire pour le milieu de la vidéo. Donc, c'est-à-dire, en fait, je voulais vous faire une transition entre là, donc le final, et le moment où je déballe la malle avec vous et je vous la présente. Je voulais vous mettre entre les deux les photos avec mes essayages. Sauf que, ben, je ne sais pas pourquoi, Movie Maker s'est décidé qu'il ne voulait pas les mettre dessus. Pourquoi ? Aucune explication. J'ai une tête un peu bleue, bizarre, enfin bref. J'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà. Que vous dire de plus ? Ben, pas grand chose. Si ce n'est que c'est de la très très bonne qualité.
Les chaussures étaient en cuir véritable. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà. Le sac seau crème était en cuir. Enfin, les lanières du l'autre sac étaient en cuir également. C'était juste c'est des matériaux super, super, super top qualité. C'est des petits créateurs, enfin des petits ou des gros créateurs à connaître, avec qui ils travaillent, qui font de très très bons produits, de très très bons modèles. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins ça vous fait découvrir plein de choses nouvelles. Et moi, je suis contente pour ça au moins. C'est-à-dire que même s'il y a des malles où j'aurai pas forcément peut-être de coup de cœur, je n'en sais rien, mais je découvrirai des nouvelles choses. Voilà, des choses que de moi-même je n'aurais pas essayé, des choses que de moi-même je ne serais pas allé vers ces habits. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo My Personal Closet vous aura plu. J'espère qu'elle aura plu à Guillaume et Sébastien, puisque je pense qu'ils vont regarder la vidéo, enfin surtout Guillaume. Donc voilà, je leur fais des bisous, je les remercie encore infiniment pour leur confiance et leur gentillesse. Et puis bah, à vous, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous. Et puis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous ça vous donne envie de commander cette malle. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.